barrières. On écrase les barrières. Regardez-moi deux frères qui ont gagné l'autre qui ont fait la vie. L'autre, ils ont abrité. On aimerait renégaler avec les femmes policières, me disent ça, c'est pour ça que vous avez des bombes sautes, parce que j'aime renégaler avec les femmes policières, me disent bombes sautes. Moi, je vais parler à l'homme, je vais dire Bonjour, jeudi, c'est lundi 6 novembre 2023. Et côté que il y a un drame qui passe matin dans Delma 33, plus précisément dans Citron. Et vers les 8 heures du matin, il y a environ 9 jeunes garçons et qui tombaient en bas de la police. Et malheureusement, selon le premier élément d'information, c'est des nègres qui étaient lourdement armés qui étaient venus faire un enlèvement dans la zone. Eh bien, nous allons quitter suivre comment les réactions sont avec les victimes et les gens qui sont sur place. Côté aéroport, après on a eu ici, et on enquête la police, on ne sait pas, je ne sais pas. Et c'est les kidnappeurs qui ont essayé de prendre votre voiture? Bon, c'est juste après, je sais, c'est des kidnappeurs. Et nous on peut dépasser comme ça, pour aller à l'aéroport. Du coup, nous devons concernés aussi dans cette bagarre, quoi. C'est tout. Vous avez perdu une voiture, là? Non. Ah, vous étiez juste dans la rue en fait? Non, juste dans la voiture. Vous étiez? J'étais à trois policiers. Ah, vous étiez en train d'amener les policiers à l'aéroport? C'est le policier qui va me ramener à l'aéroport. Ah! Et vous avez assisté à la fusillade? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pour l'instant, on n'est pas victime. Et puis voilà, on est là. Les deux policiers, ils ont arrêté et ramené au commissariat, mais je ne sais pas. Et vous étiez là quand ça a tiré? Oui. J'étais là, j'étais à bord. Racontez-moi en créole, ça s'est passé comment? Non, je ne sais plus. Parce que j'ai appris que c'est des kidnappeurs qui étaient derrière de nous. Nous concernaient aussi. Les policiers se sont mis à tirer, comment vous êtes arrêtés, ils sont sortis, ils ont tiré? Oui. Racontez-moi s'il vous plaît. Oui, non, bah arrêtez. Parce qu'ils ont arrêté des policiers qui étaient rentrés. Et il y en a un qui était conduit, un à bord, on est à deux derrière. Et c'est moi qui étais en civil. Les trois, c'était trois policiers. Vous êtes un policier? Non, les trois policiers. Moi, je viens à l'aéroport. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire la scène où ça s'est mis à tirer? Comment ça s'est passé? Non, mais quand on arrive là, il y a un policier là, les pick-up là qui ont fait croiser devant nous. Après, c'est des coups de balle qui tirent. Pou, pou, pou. Mon collègue, il a dit, c'est policier. C'est coup de balle. Il a été tué sans arrêt. Un matin, l'idée peut venir faire constat. Pour moi, il a commencé à faire quelque chose là. Comme la bière, Prestige. Prestige. P-R-I-N-C-I-G-E. Et votre nom de famille? C'est Montina. Montina. Ouais. Et votre âge? Et 57 ans. 57 ans. Et votre profession? Maçonnier. Et qu'est-ce que vous faisiez avec les policiers en fait? C'est ça que je veux dire. Pardon? Pourquoi vous étiez avec des policiers? Policier, pas grand-chose. C'est des copains? Oui, non, c'est même mon neveu. Ah, c'est votre neveu? Oui, oui, c'est oui. C'est pour oui. ça que vous étiez dans la voiture? Voilà. Il vous rendait un service? Oui, oui. Je saute de là, ça c'est déclaration d'une victime avec un citoyen qui était dans la zone. Là. Eh bien, et pour le moment, Jean Abdadi Lala, plusieurs unités spécialisées, le cas de BLVV, le cas de DCPJ qui sous place qui a continué à faire constat. Eh bien, parallèlement, il y a deux policiers qui ont arrêté et pour le moment qui dans le commissariat Delma 33 dans quatre dossiers.